Bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne toutes les clés pour réussir à séduire au mieux votre amoureux ou votre amoureuse. On fait ensemble une recette parfaite pour la Saint-Valentin. Pour l'occasion, on réalise ensemble un délicieux cœur en chocolat praliné avec un insert de confiture et un magnifique glaçage miroir par-dessus. Pour réaliser ce magnifique gâteau, vous allez avoir besoin de 6 œufs, 240 g de sucre en poudre, 100 g de farine, une plaquette de chocolat noir, une plaquette de chocolat praliné, 250 g de beurre demi-sel mou, de la confiture de fraises et de la confiture de framboise, un sachet de levure chimique, un moule de 24 cm en forme de cœur. Et pour notre glaçage miroir, 160 g de coulis de fruits rouges, ici j'ai pris un coulis de fraises, 2 feuilles de gélatine et 20 cl d'eau. Première étape, nous allons faire fondre nos chocolats au bain-marie et on y ajoute le beurre. Pendant ce temps-là, on s'occupe de préparer le sucre et les œufs. On met le tout dans un grand saladier et on va venir blanchir au fouet pendant quelques minutes. On ajoute notre mélange chocolat, beurre fondu, notre farine et notre sachet de levure chimique et on continue de mélanger pendant environ une minute. C'est maintenant le moment de peser notre pâte à gâteau et de la diviser en deux moules. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Ce qui va nous donner environ deux préparations de 600 g, 1 kg 200 de pâte en tout. Récupérez notre premier saladier de pâte à gâteau et on va venir le mettre dans notre moule forme-cœur, préalablement beurré et fariné. On enfourne ensuite pour 20 à 25 minutes à 180 degrés. Attention, surveillez bien la cuisson. Une fois notre premier gâteau cuit, on le réserve au réfrigérateur et on recommence la même opération avec le reste de notre pâte. Notre deuxième gâteau est presque cuit, on va pouvoir s'occuper de notre glaçage miroir. Ici, rien de bien compliqué, on commence par faire fondre nos deux feuilles de gélatine dans un verre d'eau froide. On passe ensuite à la casserole, ici je vais porter à ébullition mon coulis de fraise et mon eau. Si vous souhaitez avoir un glaçage un petit peu plus rouge, parfait pour la Saint-Valentin, ce que je vous conseille c'est de rajouter 4 à 5 gouttes de colorant alimentaire. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Dès la première ébullition, on retire du feu, on continue à mélanger avec la cuillère et on va pouvoir y intégrer nos deux feuilles de gélatine. On met maintenant notre coulis au réfrigérateur pendant environ une demi-heure, le temps que notre gâteau termine de cuire et qu'on puisse le faire refroidir également. Allez, à tout à l'heure. De retour après un tout petit peu plus d'une heure, on va pouvoir maintenant attaquer les dernières étapes de notre recette. J'ai récupéré mes deux gâteaux, ils sont bien froids. On va maintenant y ajouter la confiture. Je vais mettre donc un petit peu de confiture de fraise, on mettra un petit peu de framboise après, comme ceci sur toute la surface. Un petit peu de confiture de framboise, comptez une belle cuillère à soupe pour chaque confiture. Je place par-dessus mon deuxième gâteau en essayant de vraiment bien le placer, comme ceci, on appuie légèrement. Vous avez remarqué ici, la petite astuce consiste à placer la grille du four, mettre une assiette en dessous et pouvoir déposer notre nappage par-dessus. Voilà, maintenant c'est presque terminé. Petite astuce avant de partir, si jamais il vous reste assez de coulis dans votre assiette, n'hésitez pas à la récupérer et à remettre une couche de glaçage par-dessus votre gâteau. Vous allez avoir un beau brillant et un bel effet miroir. On le réserve ensuite au réfrigérateur pour environ 1 heure à 1h30. Vous pouvez le laisser plus longtemps sans problème, vous pouvez le déguster le lendemain sans souci. Et ensuite, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Bon appétit, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin.